On est reparti, la recharge est finie. Finalement, je suis coupé une trentaine de secondes, mais c'est toujours ça de moins à pouvoir rôter. Hop! Magnifique, n'est-ce pas? Magie du montage. Sachant que c'est pas du tout du montage, vu que c'est juste une coupe. Gras, machin. Garde, on est bien. Tranquille, tranquille. Bon. Hop. Ah, ils sont bien feintés les sentinelles là, hein. Oh mon dieu, où est-il parti? Il est rentré dans ce bâtiment, il n'y a qu'une seule entrée. Un mauvais dessin animé quoi. Après ça rend service hein, faut être tout à fait honnête. Honnêtement ça me ferait chier de devoir me dépatouiller les sentinelles à chaque fois. Comment ça, inventaire plein Hit, hop. Blob a branchi, machin, il parle des langues de marchand, alphabet terrestre. Oxide Geek Langue. Donc en gros, selon la langue, je donne des mots, machin truc. Du... Un oxyde commun, un isotope commun. Allez, soyons fous. En fait, y a pas de mauvaise réponse. Abomination Geek. C'est trop bien. J'aime cette halte. Là, c'est pas ça que je scanne, c'est ça. Merci. Ces saloperies, c'était dangereux. J'ai plus de la moitié de mon bouclier en un seul coup, quoi. Qu'est-ce que je peux virer? Je peux utiliser ton tamium. Ah oh oui, ils sont trop forts ces mêmes. Ça me saoule! J'ai gâché du bon plutonium! Écoute, on tombe ici par hasard, on prend, hein! Bon, l'un dans l'autre, tout me va, hein! Je suis pas regardant sur la provenance des items. Je suis regardant sur un carnivore qui est en train de bouffer une bestiole à côté de moi. Nope. Tant pis. Je suis blindé de chez blindé, il faut dire. Je vais essayer de faire un peu de place. Ok.
dernier spot, logiquement c'est une base habitable, mais je m'en cogne un peu. Compteur commercial, oh non, impeccable. C'est là que je veux aller. Il est sympa ce jeu, il me dit directement où je veux aller quoi. C'est super sympatoche. Ces freins les vaisseaux. Pas intérêt à oublier ta ceinture, moi je te le dis. C'est quoi ce truc qui s'ouvre? Non, c'est juste ce que j'ai laissé là. Vendre. Faire des fascinations, gra-gra, convergence. Yep, on a fait des thunes. Dans le vaisseau, j'ai quoi? Je suis malheureux, il y a pas de vaisseau. Allez, c'est le moment où on peste parce qu'on s'est fait chasser dans l'espace. Exactement ce que je me disais. Je joue un peu avec les mécaniques du jeu, hein, mais bon, je joue avec mes nerfs, donc c'est de bonne guerre. Un bruit de trottinette qui s'arrête à moteur. Je sais pas comment ils ont enregistré ça, mais ça fait vraiment un bruit de trottinette. Bon, si on va commencer par ici. Première étape, se faire des amis. Comme ça, on se débarrasse d'un item. Yo, mec. Iridium 21. Et maintenant un résonateur dynamique. J'ai toujours pas ton ami à toi. Casse-toi pauvre con.
Youhou! Les vaisseaux! Je suis là! Je veux un résonateur dynamique! Ouais, je crois que lui il me nargue. Youhou! Dépression. J'étais parti pour aller marcher seul sous la pluie en pleurant, mais un vaisseau arrive. J'ai dit qu'il va se poser quelque part par ici. Si je pouvais, je le prendrais, hein. Mais non. Bon, bon, les sénateurs tous sauf un, je dirais. Parce que les bases c'est cool, mais les acides aussi, blague de chimiste, faut que j'arrête les blagues. En parlant d'arrêter les blagues, qu'est-ce qu'un chat catholique dans la gueule d'un chien? Un chasseur d'os. Voilà, Pierre-Emmanuel Barré, tout ça, tristesse. Plus encore. Faudrait que le jeu utilise plus le CPU de l'ordi, mais pas celui de la carte graphique. Mon CPU ordi, il est à 3% depuis tout à l'heure, quoi. Pas avoir un i7 black box, j'ai un i5, mais bon, peu importe. Toi, tu voulais du spadonium, il me semble. Ah. Quand vous les aurez, les plans seront prêts. Là, je ne supporte pas la solitude, mais t'es pas seul, bête de con, vous êtes 3. Débile. Mais bon. Il me faut un scientifique. Qu'est-ce que tu veux toi maintenant? Mais tellement. Ça combien ici? 3,39. J'arriverai pas pieds nus. Allez hop, on va se faire chier. Peu qu'il y ait un truc là-bas.
plutonium qu'il y a, ça me va. J'oubliais que j'étais sur une planète chelou avec des bestioles qui sautillent de partout. Ça surprend un petit peu quand on se souvient plus, tu dis c'est quoi ça? Ah non, ça va, c'est la faune locale. Sauvegardons, mais bon. Y allons nous refroidir. Stabilisation du niveau de température. Les schémas. Cellule voltaïque. Oh putain. Cellule voltaïque, est-ce que je peux les construire? Je sais pas voler. Pourquoi tu te poses à 2 km? J'ai appuyé sur un truc il y a 2 ans. Putain. Ça va faire, bah, de courir jusqu'à ma base. Bon, en fait, j'ai que ça à faire, mais bon, faut pas lui dire. Je reviendrai quand j'en aurai une. Ne me faites pas attendre à discuter avec le scientifique. Demander. Cellule voltaïque, terminal d'armement. Il me faut un scientifique. Alors, je crois. Je peux dire de conneries, mais je crois que je ne peux pas retourner à la station si j'y suis pas allé une première fois. C'est gênant. Pas moyen de savoir si c'est un système geek ou autre dans mon journal. Ouh, mais écoute, on va gagner du pognon. Parce que fric égale pognon et le pognon c'est bien. Tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. C'est bon. Il n'y avait rien.
Découvert par Deacon Corp. What? Depuis tout à l'heure en fait, je suis en train de découvrir des zones. Marrant. Intéressant. Fric, 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 fric. 1500. Rigolo comme bestiole. Allez, on va les renommer les bestioles. Comment on va renommer cette histoire? Bourrin raptipède, parce que c'est comme un raptor mais raptipède. Vélocirap moche, parce que il est moche, il a un pif tout dégueulasse. Dirait Tarari d'après opération. Ça, on a tellement vidé comme ça que ça sert à rien de leur nommer. 6 mètres. Cabot géant. Chèvre géante. 5 mètres. Ça, c'est des cailloux et des plantes. On s'en fout, ça n'a aucune importance. Toi, t'es trop une sale gueule pour être renommé. Clac, 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 clac. Une petite tête, c'est n'importe quoi. Ah, dégueulasse. Capri Maxi, après la chèvre géante. Capri Maxi, je trouve ça rigolo comme nom. Toi, t'as trop une sale gueule. Hop là. Hey, pognon. Putain, 800 000 déjà. C'est pas mal. Au calme. Cette planète, franchement, elle est au calme. 78 000 unités reçues. Voilà qui n'est pas négligeable. Bon, pour l'histoire de l'autre gars là-bas, je pense que je vais voir ça quand quand je tournerai sur un système. Moi, j'en ai tellement vu des systèmes. Je pense honnêtement, si je rembobine d'un ou deux systèmes, je suis sur un système Corvax. Je rembobine les deux. Faire. Alors attends, je passe comme ça, que mettre un point de passage sur un de mes vieux systèmes. Genre lui. Thank you.
semble que j'étais sur un système Corvax il y a peu de temps en fait. Donc bon, ça me ferait chier d'aller au hasard des trucs pour essayer d'en trouver un alors que j'en ai rien juste à portée de main. Maintenant j'ai un bon vaisseau, logiquement c'est rapide. Putain, j'aimerais trop l'avoir celui-ci. Hashtag j'ai pas le time. Échec. Oh putain, l'échec critique. Oh la déception. La tristesse d'un truc quoi. Comment ruiner son effet. Comment ruiner son effet. Grand Vaxouné. Corvax ? Putain. Vas-y. Bon, bah va falloir que je me reforge des trucs de distorsion, mais tant pis. S'il faut. Allez, on s'en fout. Cette histoire là, juste pour casser moi. Merci le vaisseau d'exploration classe A qui a une portée de warp de fou. Bonne portée de warp. Tu sais pas des crevettes, je vais être tellement déçu. Hashtag choqué déçu. Je savais bien que c'était l'air Corvax, mais en fait je crois que ça n'a aucun rapport entre l'aspect du bordel et ce qu'il y a dedans. Donc, dans le doute, je ferme ma gueule. Avec un peu de chance, j'éviterai une occasion de me rendre ridicule. Ce qui n'est déjà pas mal. Putain. Toujours ça de prix.
Donc, un fluide de suspension. Et du plutonium. Comment ton vaisseau toi d'ailleurs? Pas mal, pas mal. Toi? Putain, mais c'est quoi ce monde où tout coûte cher quoi là? Oh. D'accord. Sûr de comprendre, mais c'est pas grave. Je crois que c'est de là que je viens. Si c'est pas de là, ben, ça va me saouler. Morte, ça peut être intéressant de faire le plein de plutonium et de thamium. Sympa la vue. Petite photo.
Allez, testons. Ça sent vachement le pétrole. Bon. Faisons le plein. Faisons le plein. Bizarre, le son du jeu est vachement bas d'un coup. Ouais, j'essaie de miner ça au laser, je suis un peu fatigué. Non, c'est bon en fait. Vaisseau, vaisseau. Du tamis, m'en veux-tu? En voilà. D'accord. Lance-foudre. Recharger en tamium. Recharger en tâche. Donc, je suis gavé de thymium, faut que je me gaffe de plutonium maintenant. C'est pas très dur à trouver, tout ce qui est rouge, c'est soit du thymium, soit du plutonium. Ça là-bas, c'est du plutonium et ça c'est du titane. Je vais totalement engranger 1000 de plutonium sur cette planète. Parce que je suis tellement souvent en rade. C'est moins long que le commerce en plus. Enfin, en théorie. Hop. Alors, multi-outils. Clac chargé. Au carbone. Et combi. Ça va sur le vaisseau. Ça aussi. Pas mal là. Une planète comme ça dans ce mode de jeu, c'est tellement le bonheur. Tu vois, quand on emballe sur le mode de jeu standard, c'est cool, tu dis wow, c'est du farm pas cher, c'est bon à prendre. Mais alors là, c'est Byzance quoi. C'est les meilleures planètes dans l'absolu. Thank you.
plutonium. Petit plutonium, où es-tu? Un peu à gauche. Un à droite. Non. On va pour la gauche alors. Ah ah! Je te vois à travers le mur. C'est que ça. Au fond, en fait. J'ai besoin de rien, donc je vais même pas chercher à savoir ce que c'est. Mon inventaire est plein comme le dit mon petit icône en bas à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers mon vaisseau. Calmement. Tamium, j'ai ce qu'il faut. Il manque que du plutonium là qu'il me faut. Merde. On va courir normalement, hein, c'est plus sûr. Quand on sait pas voler, on marche. Comme dirait un héros Marvel. Flemme. Ah bah voilà, truc intéressant. Voir un truc par là-bas. Oui, très bien ça. Sûr qu'on rate rien de ce côté-ci et on fonce par là-bas. Faut une halte fort constructive.
Ça m'a l'air correct. Chercher un système Corvax. Je pense que ça sert à rien de s'éterniser ici. Il se trouve un système sans interface Atlas pour avoir une anomalie qui apparaît à un moment ou un autre. Je sais qu'il faut pas les vendre, hein. Vous inquiétez pas, pas besoin de me le dire. Je sais très bien. Je suis toujours à garder d'habitude, mais je sais ce qui se passe quand on les vend et quand on les vend pas. Donc, j'ai pas besoin de faire attention. Un peu au mauvais saut sur l'autre compte. Un peu. Plutonium. Ouais, j'ai fait le plein, mais je préfère en acheter quand même encore un peu vu la vitesse à laquelle ça part. C'est plus sûr. Thanks bro. On va aller voir ce qui se passe. Là c'est par là. Le centre de la galaxie est de l'autre côté. Et ben on va aller de l'autre côté. Attends, c'est pas évident. Un petit peu trop loin. J'étais un peu ambitieux. Cette petite étoile là, qu'est-ce qu'elle me dit? Trois planètes non découvertes. Je signe. La vie c'est comme ça. Oh, j'ai pas de phrase philosophique à sortir là. C'est trop compliqué pour moi. Je peux plus, il y a trop de pression. Corvax ? Vaxouni, où êtes-vous? J'ai besoin d'un Naf Punk dans ma base pour mettre du rythme. Wow. Oh là, faire gauche-droite comme ça, t'as une rupture des cervicales à coup sûr hein, dans le vaisseau. Je sais pas comment il fait le pilote, mais je pense que. Il est solide. Un bon gainage. Sortez de là! Philippe! Je sais que t'es là!
En plus il me rentre à la gueule cet enfoiré, vas-y. Je l'ai pas. Indicateur de combat Sigma. Je prends. J'ai pas une anite pour. Je le prendrai plus tard. J'ai rien à vendre. Un Corvax scientifique de préférence, parce que si c'est pour un poste scientifique, bon, tant pis. Je prends ça, je te prends comme ça. Ton vaisseau il est pas mal, mais il est trop moche pour être tolérant. Là, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Explorateur détecté. Ça veut dire qu'il caille là-dessus. On dirait des noms de meubles Ikea les planètes. T'es bien, y'a rien à foutre. Ouf. Je vais pas me faire chier à traverser l'espace où est-ce que je dois faire plomber le cul pour des planètes où je peux pas exploiter des ressources rares. Donc en l'absence de besoins particuliers. Voilà. J'ai de l'émeril, j'ai tout ce qu'il me faut. T'as la dépression quoi. Bon, ben on va farmer. Des sacs de venin. Thank you.
dégâts critiques subis. Wouah! Putain! Ouh! Oh la vache! Ah, le coup de stress! Ah, j'aurais pas installé le module de point de vie, j'étais mort! Ouh! Oh non, sérieusement! Pour un sac de venin de merde! Je l'ai même pas récupéré en plus, c'est ça le pire. Ah si. Bon. Ah la stressitude quoi. T'as regardé ma vie là-haut quoi. Bonjour, je pisse le sang. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors comme vous le devinerez, je prendrai plus de sac de venin, c'est pour 7000 pièces. Je vais pas me faire chier. Iridium coûte cher, tiens. Quitte à en avoir peu, autant ne pas en avoir du tout. C'est pas le plus dur à trouver. Plutonium, j'ai 3 allers-retours. Enfin 2 parce que je dois recharger. Ah. Technologie rechargée. Technologie rechargée. Bon. Technologie rechargée. Et bien sur ce coup de stress, on va s'arrêter là. Ah putain. Technologie rechargée. Technologie rechargée. Ah, j'ai sué les fesses quoi, comme on dit. Messieurs, dames, fin de transmission.